sur la banquette là. Là, ils veulent tous faire ça. Ben oui, mais... Mais j'ai piqué une colère une fois, on était à Estavayer. On leur a expliqué... Non, là, il y a vraiment le respect des voitures, c'est important. C'est moi qui... Et bonjour. Bonjour. Ben vous aurez Pauline. Ok. Pauline. Elle est là. Mais quelle Pauline? Elle est là. Pauline, elle est là, elle est en train. C'est Pauline. Je sais plus. Mais ça va, c'est très bien. Beaucoup qui s'appellent Pauline, hein. Paulette. Pauline, ouais, mais je sais pas si c'est elle. Quel bel endroit, presque un peu magique, je trouve. Klaus, tu m'as demandé pourquoi j'ai fait une rencontre avec des photographes. L'idée, c'était rassembler pas uniquement les photographes, mais également les modèles et leur imposer des thèmes. C'est ça qui est intéressant,
de photographier des différents thèmes. Ainsi, chacun peut, à sa manière, faire sa photo avec sa petite touche personnelle. Pour réaliser cet exercice, il y avait de très beaux modèles. Il y avait des voitures anciennes, il y avait une moto, il y avait des robes de boutique, des chapeaux exceptionnels. Et cet endroit de rêve. Donc tous les ingrédients pour réussir de belles créations. Je suis persuadée que pour chacun, cette journée fut un succès. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur la manière comme les photographes traduisent les différentes scènes en images. En plus, cet endroit magique ou idyllique a certainement contribué à sublimer notre élan commun vers l'art de la photographie. Merci à tous et merci à toi, Klaus, qui a su capter les scènes de la journée avec un œil aiguisé et poétique. L'air de rien, je vous dis au revoir et peut-être à l'année prochaine. Thank you.